Je vais quitter ça. Voilà, c'est parti. Oui, donc je vais quitter les fenêtres. Je vais me remettre sur l'éditeur. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu. Alors, je voulais vous montrer, en fait, on va créer une sorte de métacube en reprenant ce qu'on a vu sur la 3D. Donc je voulais essayer. Alors, je n'ai pas essayé, donc ça va être un petit peu du live coding. Et ce que je voulais faire, c'était faire un cube en fait qui est composé de plein de petits cubes. Donc pour cela, on va travailler non plus avec une double boucle, mais avec une triple boucle. Donc ça va être, on va reprendre ce qu'on avait fait l'an dernier, puisqu'on a revu là pour le pavage de l'espace en deux dimensions, sauf qu'on va le faire en trois dimensions. Et je voulais paramétrer donc la taille de ces cubes. On va essayer par, on va revoir la fonction noise qu'on avait vu, vous souvenez, pour le flow field au tout début, sauf qu'on va utiliser une version noise avec trois paramètres, donc X, Y et Z. Donc ça va nous retourner dans un espace en 3D et bien des valeurs donc, qui vont être comprises entre 0 et 1 et dont on va se servir pour moduler la taille d'une boîte. Donc ce qui va produire, je pense, un effet, voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Et donc bon, je voulais vous remontrer un petit peu l'utilisation de cette fonction noise. Et ce que je voulais faire, ben voilà, c'était vous laisser un petit peu travailler ou répondre à vos questions sur ben, le projet de typo générative. Donc s'il y avait des questions, eh ben, essayez d'y répondre et puis voir comment on peut travailler ensemble, ce qui me laissera moi aussi le temps de peut-être de regarder un petit peu, donc dans l'optique de préparer cette exposition en ligne où tous les sketchs vont s'enchaîner les uns après les autres avec évidemment avec les crédits. Voilà, donc j'ai commencé à regarder hier un petit peu. Donc c'est possible en fait d'avoir plusieurs sketch processing sur la même page web. Donc après le jeu, ça va être de trouver ou d'essayer de faire des transitions pour que ce soit le plus élégant possible. Voilà. Donc soit par le biais de l'utilisateur qui pourra naviguer de sketch en sketch, ou soit on peut faire un système comme ça de timer qui nous permettra voilà, de faire défiler un petit peu façon slideshow. Okay? Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, je pense que vous avez déjà très certainement constitué les groupes pour ce projet. Et si vous avez des questions, ben voilà, on profitera de cette session pour les traiter pour ce projet qui est voilà qui j'allais dire un peu complexe mais en tout cas qui est assez complet quoi qui fait appel à pas mal de notions. Alors voilà, bon, on va revoir, tiens, on va travailler sur ce petit projet là de cube. Donc ben, vous pouvez donc ouvrir une nouvelle fenêtre de sketch. Donc on va travailler comme on l'a fait la semaine dernière, non plus en mode Create Canvas simple, mais on va lui adjoindre donc le troisième paramètre qui nous permet d'accéder donc à l'interface de programmation WebGL. Vous avez vu, hein, ça nous donne ça accès donc à la troisième dimension avec un repère de dessin donc qui est maintenant non plus en haut à gauche du canvas mais bien positionné au centre donc avec un axe des Z qui vient vers nous hein, donc qui est pas dirigé vers le centre comme je le pensais la semaine enfin vendredi d'ailleurs j'allais dire la semaine passée mais oui c'était la semaine passée mais c'était vendredi. Okay. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ici donc se mettre en mode WebGL. Donc, OK, ça fonctionne. On va peut-être, tiens, agrandir la fenêtre de travail. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé. Ouais, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, ça. Mais je pense que pour l'exercice, ce serait pas mal de se positionner dans un. Ouais, ça, je vais vous le préciser tout à l'heure. Mais je pense que ce serait pas mal qu'on se cale pour la typo générative sur des dimensions en fait qui vont dépendre de la hauteur de la fenêtre. Donc travailler avec, ce serait pas mal de travailler avec width et height. D'accord. Bon, je vais préciser ça de sorte à ce qu'on puisse avoir, voilà, c'est-à-dire que si l'utilisateur met la fenêtre en full screen.
eh bien, qu'on ait les graphismes qui s'adaptent en fonction. Donc ça, ouais, à penser. Donc, Create Canvas WebGL, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, donc, hein, l'objectif de construire un cube qui est fait d'une multitude de petits cubes. Et pour cela, donc, on va utiliser une série de boucles. Enfin, on va utiliser trois boucles imbriquées pour ce coup-ci. Donc, on va réaliser peut-être la première boucle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner ici une dimension. Alors, est-ce qu'on se donne une dimension de boîte ou plutôt un nombre de. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner plutôt la taille de notre cube, de notre grand cube, et on va donner le nombre de cubes que l'on veut. Donc le nombre de subdivisions, par exemple, on va dire, bon, on veut un cube de 500 de large et on veut placer 10 cubes à l'intérieur. Donc on va calculer automatiquement la largeur de chacun des cubes. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se donner la dimension de notre cube qu'on va appeler dim et qui sera la dimension à la fois sur x, donc largeur, hauteur et profondeur. Donc on va dire par exemple, ben je veux un cube donc qui va faire, je ne sais pas, 400. Et on va donner donc le nombre de cubes, de mini-cubes sur chacun des axes. Donc là, on va y aller mollo parce que là, on va être sur des puissances 3. C'est-à-dire que si voilà, on a 10 cubes, ben ça va faire donc 10 fois 10, 100, et puis fois 10 en profondeur, donc 1000. Donc là, on va y aller, voilà, on va y aller doucement sur cette variable. Et ben ici, voilà, on va calculer, donc on va se stocker une variable. Pardon, pas, c'est pas float, hein, là, j'étais sur. Et là, on va se créer donc une variable qui va stocker donc la largeur de ce mini cube. Donc on va l'appeler. Je sais pas, on va l'appeler, bon, allez, W, je pense que c'est bien pour width. W, ben on va le calculer. Donc ça va être la dimension divisée par le nombre. D'accord? Donc là, voilà, c'est une division qui est entière ici. Donc 400 divisé par 10, ben ça fait un cube, un mini-cube, donc de 40 pixels, enfin pas 40 pixels, mais 40 unités de dimension. Bon, très bien. Donc on va commencer en fait par simplement dessiner une rangée, puis comme on l'avait fait pour le pavage du plan, on va encapsuler cette première boucle qui nous permet de dessiner une rangée dans une boucle qui va nous permettre donc de dessiner plusieurs rangées, donc ce qui va nous dessiner une grille de cubes, et ça, on va le placer dans une autre boucle, donc une troisième boucle englobante, qui va nous prendre ces tranches de cubes et puis les répartir comme ça sur plusieurs Z différents, enfin plusieurs profondeurs. D'accord? Donc séparé par évidemment par la dimension W. Bon, on va commencer par le premier cube, enfin la première rangée de cubes. Donc on va écrire une boucle. Et cette boucle, alors on ne va pas la centrer, enfin remarque aussi, est-ce qu'on peut la centrer? Bon, on va l'écrire d'abord de manière, on va dire, simple. On va partir donc d'un x. Il va partir pardon, de 0. Donc, tant que x est inférieur à la dimension donc de notre cube, eh bien, on va incrémenter x par pas de w. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on a un x et qui part de 0, qui va aller jusqu'à la dimension donc de notre grand cube, et puis on se déplace de chaque dimension de notre mini-cube. Donc on va, alors pour que le dessin soit peut-être plus, voilà, on va plus dans l'esprit construction, on va se mettre en no-fill et on va se mettre en stroke 0. Okay. Donc, comme on a fait la semaine dernière, pour se déplacer donc vers chaque point donc de notre typo générative, ben ici on va faire un push hein, qui sauve l'état de la du repère en cours. Donc là, comme on n'a pas fait de transformation, eh bien le repère est au centre de l'écran
avec les axes qui sont pas, qui n'ont pas été pivotés. Donc, qui dit push, dit pop. Voilà. Donc, ça veut dire je sauvegarde le repère en cours, je le restaure et on va se déplacer. Donc, on va faire un translate ici de, eh bien de x0, 0. D'accord? Donc là, je vais me déplacer pour, sur l'axe des x en chacun de ces, voilà, de cette position, enfin, chacun des x. Et donc là, je vais dessiner alors, ma boîte box. Donc, qui va faire la dimension W. D'accord? Donc là, ce que je devrais avoir a priori, c'est la première boîte donc, qui est centrée sur le repère, et puis on va se déplacer comme ça, on va avoir une sorte de rangée de boîtes. D'accord? Si tout se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit. Donc ça déborde de l'écran. Tiens, on va peut-être, ce que je disais tout à l'heure, on va peut-être se mettre dans des conditions, ou en tout cas dans une fenêtre un petit peu plus à l'aise. Alors là, c'est un petit peu grand, ça va déborder. On va mettre, tiens, 600, 600 par 600. Ça va être pas mal. Voilà. Là, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est que... Oui, pour l'instant, ça va. Donc là, vous voyez qu'on a le premier cube qui, a priori, est centré. Donc ça, c'est bien, c'est logique. Et donc les cubes ensuite qui, bah, qui se, voilà, qui s'empilent donc sur l'axe des X. Alors, ce qu'on va faire là, eh ben, c'est qu'on va se déplacer. Alors, je réfléchis en même temps. C'est qu'on va se déplacer de sorte à... alors, je réfléchis. On va se déplacer de sorte à avoir... en gros, ce que j'aimerais faire, c'est centrer ça, en fait. Donc, de sorte à le décaler. Mais je me dis, est-ce qu'on peut le faire maintenant ou est-ce qu'on le fait après ça? Non, peut-être qu'on va le faire, on va le faire maintenant. Et donc pour le centrer, ben on va se déplacer ici, plutôt que de se déplacer de X, on va se déplacer, on va peut-être partir de là, et on va partir donc de 0, on va aller de moins de dîme divisé par 2 à dîme divisé par 2. Donc au lieu de partir de 0, on va partir de la demi-dimension divisée par 2. Donc voilà, ce qui devrait centrer les choses. D'accord. Donc ça, vous voyez que ça dessine cette première rangée de cubes. Donc ça, c'est très bien. Donc j'en ai bien. Alors, est-ce que j'ai bien la quantité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc j'en ai bien 10. Donc ça correspond bien à ça. Donc pour tester, on peut tester si ça fonctionne. Alors, je suis légèrement décalé, je vois. Alors, si je mets que 1, ouais, je suis décalé. Donc déjà, ça ne marche pas bien. Donc si j'en mets 3, ouais, je suis décalé. Alors je dois être décalé de la demi-largeur, je pense, du cube. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici W divisé par 2. Ça devrait nous centrer. Donc oui, parce que le cube en fait se dessine par rapport à son centre. Hein. Il se dessine pas comme comme les rectangles dans Processing par rapport à son coin. Donc je suis obligé de me décaler voilà de la demi-largeur pour être bien centré. Donc là on va essayer avec 4, voilà tout apparaît bien symétrique et bien centré. Donc, on va faire 6. Bon 6 ça a l'air pas mal. Tiens je vais peut-être 8. Ouais 8 c'est pas mal. Ok, donc ça, ben on va faire un petit peu la même logique qu'on avait fait quand on a fait le pavage du plan, c'est-à-dire que ça, on est d'accord que ça permet de dessiner une rangée de cubes. Donc ça, on va le placer dans une autre boucle qui va nous permettre de dupliquer cette rangée de cubes et de faire ben, une série de rangées de cubes en fait. D'accord? Donc on va raisonner de la même manière. Mais sur l'axe des Y. Donc, on va utiliser une variable Y, ben pareil, qui va partir de moins de dîme divisé par 2, qui va aller à dîme divisé par 2, donc par pas de W.
puisqu'on est voilà, sur un cube qui a la même dimension. Et on va se déplacer là, ici, plutôt sur voilà, l'axe des Y. Donc on va y aller. Donc attention, on va. Alors, ouais, la technique pour encapsuler ça dans une boucle, on va placer d'abord les accolades englobantes. Okay. Donc on va hop, faire ça. Donc hein, voilà, j'encapsule ou j'enrobe mon premier fort ici avec deux accolades. Ces accolades vont elles-mêmes être contrôlées par une boucle fort. Donc ici, voilà, je décale le tout à la main avec une tabulation. Et donc ici, ben voilà. Donc ça, j'ai fait ça parce que comme ça, je sais que voilà, ces accolades-là encapsule cette première boucle for. Ben, je vais écrire ma deuxième boucle for. Donc je vais dire pour donc y qui part de moins de 10 divisé par 2 à y inférieur à 10 divisé par 2. Et j'y vais ben, par pas de la dimension de mon cube. Bleu. Ça devrait fonctionner. Et ici, ben, au lieu de placer 0, je vais positionner donc y. Et alors je vais utiliser ici y moins w divisé par 2, je pense. Est-ce que c'est moins? Je remonte. Non, c'est plus. C'est comme pour x. Voilà. Donc là, je devrais avoir voilà, ma grille de cube qui est centrée. Donc là, on voit, hein, on est ici bien aligné. Quand vous comprenez, c'est toujours cette même logique. On a défini une première boucle qui fait une rangée. Voilà, bah ça nous dessine une rangée. Donc, on va ensuite eh bien, dupliquer cette rangée avec une autre boucle for et en intégrant ou en tout cas en faisant apparaître cette variable y. Donc, la petite nouveauté qu'on va introduire maintenant, ça va être la variable z. Donc, on va encapsuler. Donc, hein, cette double boucle-là qui nous permet de créer une espèce comme ça de tranche de cube, ben ça, pareil, on va le répéter voilà, sur l'axe des z. Donc, l'axe des z, ben, on va avoir une variable z, pareil, qui va varier entre ben, moins de 10 divisé par 2. Donc, c'est exactement la même logique. Et 10 divisé par 2 par pas de w. D'accord? Alors là, peut-être, je vais être un petit peu grand. Donc, je vais peut-être diminuer la taille hein, ici de mon cube. Donc, je vais peut-être le diminuer. Allez, au lieu de 400, je vais passer en 300. Tiens, peut-être 250, puisque là, je vais avoir des cubes donc, qui vont arriver vers moi. Voilà. Donc là, vous voyez encore une fois le classique d'avoir tout ça dans des variables, ben, c'est qu'on peut voilà, manipuler les variables hein, et ensuite, ça se répercute, ou en tout cas, ça suit le. Voilà, ça se répercute dans le programme. Donc même après, on pourrait avoir des sliders voilà, qui nous paramètrent ça. Bon, très bien. Ben, je vais refaire un petit peu la même logique que j'ai faite donc, pour la première rangée. Donc je vais encapsuler ça entre des accolades. Donc on se repère bien. Je mets une accolade avant le premier for ici. Une accolade ici enfin. Je décale tout. Voilà, donc avec des tables. Voilà. Et je vais contrôler ça maintenant par une troisième boucle qui eh bien, va faire évoluer donc une variable z à partir, donc pareil, ben, de moins de 10 divisé par 2. Donc moins en z, ça va être vers le fond de l'écran. Et puis, ben, on va dessiner les tranches comme ça en se rapprochant vers nous. D'accord? Donc, moins de 10 divisé par 2. 10 divisé par 2. Donc, z, tant qu'il est inférieur à 10 divisé par 2. Alors, tiens, j'en profite. Vous voyez que ce 10 divisé par 2, là, on le recalcule un petit peu partout. Donc, ça, pareil, une optimisation possible. Ça aurait été de le stocker dans une variable. Donc ça, on pourra le faire tout à l'heure. Mais cette quantité-là, ben là, vous voyez qu'on va on va la recalculer finalement. Ben, si on est sur un NB qui vaut 10, on va le recalculer ben, plus de 1000 fois.
Donc, ce serait bien de s'économiser le recalcul de cette variable, donc en la stockant dans une variable. Donc, ça, on le fera, on va le faire tout à l'heure. Et donc, alors attention, j'ai mis une virgule ici, c'est pas bien, c'est point-virgule. Et point-virgule, donc z égale z plus w. Donc, on y va encore une fois par pas de w. Donc, OK, j'ai ma variable z, eh bien, je vais. Même raisonnement, z plus w divisé par 2. D'accord? Et même remarque pour w divisé par 2, ça on pourrait le stocker aussi dans une variable pour ne pas le recalculer à chaque fois. Donc vous voyez, on pourrait s'économiser le calcul de quasiment 2000 opérations. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle des optimisations de calcul. OK, bah on y va. Voilà. Donc là, je dessine mes tranches. Et vous voyez que là, ben voilà, les tranches se dessinent en Z. Hein. Donc on fait d'abord dessin en X, dessin en Y et dessin en Z. Alors on va rajouter un petit peu de j'allais dire de fun, mais on va faire tourner tout ça comme on avait vu la semaine dernière. Et donc ça, on va rajouter ici un rotate. Donc on va faire pivoter ça. Donc l'axe des Y est comme ça, l'axe des X est comme ça. Donc, on va le faire pivoter, tiens, on va le faire tourner sur son axe des Y par ici un rotate Y. D'accord? Donc, rotate Y, ça va faire tourner toute la structure. En fait, en réalité, ça fait tourner tout le repère hein, autour de l'axe des Y. Et je vous rappelle, tiens, on va raisonner en degrés. Donc, pour cela, on va se mettre en angle mode degrees. Ici. Et dans le rotate Y, on va eh bien, voilà, faire un frame count. Cette variable, hein, je vous rappelle, elle contient le nombre de fois que le programme est passé dans la boucle de dessin. Donc ça va être 0, 1, 2, 3. Donc parfait pour l'interpréter en tant qu'angle d'une rotation. Donc on y va, on devrait avoir voilà, notre cube qui tourne dans ce sens. Bon, c'est un peu rapide, on va. Alors déjà, c'est un peu rapide. On va le faire tourner dans l'autre sens. Donc moins 0,5. Donc c'est pas mal. Et on va lui rajouter bah, pareil une rotation donc, sur l'axe des X. Donc comme ça, on pourra le voir tourner, évoluer comme ça en 3D. On va faire un rotate. Donc vous voyez ici hein, le push et le pop en fait. Ils vont sauvegarder puis restaurer le repère tel qu'il était au moment du push et du pop. Donc tel qu'il est quand on appelle le premier push, ben en fait, il est déjà pivoté sur l'axe des X et l'axe des Y. Hein. Donc on y va. On va faire là, je ne sais pas, allez, on va désynchroniser. On va faire 0,25 fois frame count. Donc là, on voit bien voilà, notre structure de grille qui apparaît. Donc là, vous pouvez, bah, voilà, on peut essayer de changer peut-être les paramètres. Alors, j'avais mis 10 tout à l'heure. Voilà, donc on sent qu'il a déjà un peu plus de mal. Je ne sais pas chez vous. Moi, il a un peu plus de mal là, à faire tourner le cube. Donc, on va peut-être rester ici pas sur des dimensions un peu plus raisonnables. Voilà. 250. D'ailleurs, c'est bizarre pourquoi il s'est rapproché. Rapproché, il est un petit peu excentré là. J'ai bien sur mes 5. Ouais, non, ça a l'air de marcher. A l'air de fonctionner. Bon, je mets 5 pour l'instant. Et donc, ce qu'on va paramétrer, donc ce que je vous indiquais, c'est bon, on va faire évoluer la taille de ce cube. J'ai l'impression qu'il est un peu décalé. Ah, est-ce que c'est logique ça? Décalé. Donc je pars de moins 10 divisé par 2. Je rajoute plus W. Non, pourtant, il ne devrait pas. Plus W divisé par 2. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est décalé, qu'il ne tourne pas autour de son axe. X, Y. Et ce qu'on va moduler, alors voilà, ce que je voulais faire, c'était d'essayer de moduler en fait ce W ici par une fonction de noise. Donc vous vous souvenez, une fonction noise, si je vais voir la définition
5JS. Une fonction donc qui va nous retourner donc un nombre pseudo-aléatoire en fonction. Donc nous, on avait vu, on a utilisé la fonction en 2D et qui nous permettait en fait de transformer cette valeur hein, qui nous est retournée entre 0 et 1. On l'a transformée en angle qui nous permettait en fait de donner une vitesse ou de moduler la vitesse de nos particules. Hein, donc ce qui faisait qu'on avait une espèce de champ comme ça qui évoluait au cours du temps. Là, on va utiliser la fonction noise avec trois paramètres. Alors, déjà, je vais voir si ça existe, mais je pense que oui. Il me semble que je l'ai vu. Noise. Et la fonction noise, voilà, elle s'écrit avec donc x, y et z en paramètres optionnels, mais elle prend bien trois paramètres. D'accord? Et donc, ces paramètres-là, ben, on va les faire évoluer aussi en fonction du temps. Donc en rajoutant une composante, pourquoi pas frame count, d'accord, pour décaler ça dans le temps. Donc bon, on va utiliser ça et ici on va faire le calcul. Donc on va faire W et on va le multiplier donc par notre fonction noise qui va prendre en paramètre eh bien x, y, z. D'accord? Donc on va peut-être moduler ici. Les coefficients qu'on lui passe, c'est-à-dire que x, y et z, possible que voilà, ce soit des valeurs bien trop grandes pour la fonction noise. Donc on va déjà essayer ça. On devrait se retrouver voilà, avec un cube dont la taille ici est modulée. D'accord? Voilà, donc je vais peut-être me remettre avec 8, ce sera peut-être plus évident. Et tiens, on peut aussi, on va essayer de se mettre, on va essayer de se mettre, enfin, je vais essayer de, voilà, de peut-être de mettre, si on va voir quelque chose, mais on va se mettre en fil 255, mais je sais pas, je pense pas qu'il y ait d'éclairage là, donc on va rajouter, voilà, peut-être on y voit mieux comme ça. Donc là, moi, ça commence déjà à être un peu jambes lourdes. Donc pourquoi? Parce qu'il y a 8 fois 8 fois 8 cubes, donc ce qui est déjà pas mal. Et là, ce n'est pas du tout optimisé au niveau du dessin. C'est-à-dire que voilà, il existe des techniques qui permettent de stocker une fois pour toutes la structure sur la carte vidéo. Or là, ce qu'on fait, c'est un petit peu, voilà, un petit peu bourrin, dans le sens où on va redessiner en permanence en fait les cubes. Donc, il y aurait manière d'optimiser ça. Donc, vous voyez que ça fonctionne. En fait, chaque cube reçoit en fait un coefficient ici qui est paramétré par le noise. D'accord? Donc, par cette fonction. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est multiplier ici, comme on avait fait pour notre système de particules, on va moduler ici ce paramètre-là. D'accord? Donc, on va ici, grosso modo, se déplacer de manière plus douce sur la courbe de noise. Voilà, donc là, on ne devrait pas avoir voilà, de variation importante. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer donc, ce noise. On va lui rajouter ici une composante qui va dépendre de frame count. D'accord? Donc pour faire ça, plutôt que d'écrire frame count à chaque fois, on va se créer une petite variable ici. Qu'on va créer ici. Donc ça va être, on va l'appeler offset ou noise n offset pour noise offset et on va l'initialiser à 0. D'accord? Donc ça, le fait de rajouter ici une composante qui va évoluer en fonction du temps, ben en fait, ça va faire en sorte que cette fonction elle-même, le résultat de la fonction va évoluer en fonction du temps. Donc on devra avoir comme ça des espèces de cubes comme ça, vous allez voir, qui se modulent en trois dimensions sur l'espace. Donc ça devrait être pas mal. Et ce qu'on va faire après, bah, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, on va rajouter un petit peu d'éclairage voilà, pour donner un petit peu de volume à tout ça. Ok, bon, bah, ce n offset. On va le calculer avant de rentrer dans les trois boucles ici. Hop. Et on va le calculer. Alors, je ne sais pas, on peut le calculer. J'en sais rien. On va le calculer, tiens, avant
Voilà, avant le dessin ici, avant qu'on fasse le dessin. Donc, on va dire que un offset, et ben, pareil, ça va évoluer, on va dire, ça va être frame count multiplié par 0. On va y aller par pas de 0 à 1. Quand frame count vaut 1, ben, ça vaut 0 à 1. Quand frame count vaut 2, voilà, ça vaut 0 à 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre cette valeur de un offset ici. Et on va le rajouter ici. Tiens. On va le rajouter ici. On va voir déjà ce que ça donne, ça. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu rapide. Donc on va plutôt que de mettre 0,1, on va mettre 0,01. Voilà, c'est peut-être un peu lent. On va multiplier par 5. Donc, vous voyez que là, la taille des cubes en fait évolue ben, en fonction de ce champ. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. Alors, je sais pas si c'est bien de faire ça, mais on va essayer. On va décaler à chaque fois. On va décaler à chaque fois. On va dire un offset. On va le rajouter ici. Pas sûr que ce soit. On se déplace sur l'axe des X. Augmenter la taille de ça. Voilà. Et ah, ça s'est revenu, pardon. J'ai Windows qui me redimensionne automatiquement mes fenêtres, là, ce qui est assez pénible en réalité. Donc là, ça devrait être bon. Donc voilà, et on va essayer donc de rajouter un offset pour voir ce que ça donne. Ça donne des oscillations peut-être un peu moins. Un peu moins unidimensionnel. Ouais, ça va un peu vite. On va essayer de couper en deux. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, peut-être on va augmenter la dimension du cube. Ça y va un petit peu mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter bah, le système un petit peu lumineux qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, on va rajouter, on va voir. Alors, j'avais en tête de rajouter. Donc, à la fois, il va falloir qu'on rajoute donc une lumière d'ambiance, une lumière voilà, générale via la fonction ambient light. Ensuite, on va rajouter un point lumineux, un point light. Et il va falloir qu'on définisse donc la couleur de notre cube, couleur du matériau, et qu'on lui définisse éventuellement une couleur de brillance, de shininess, comme on avait fait la semaine passée. Alors, comment faire? Bon, ben on va déjà définir l'ambient light. Donc ça, pareil, on va le faire ici, peut-être ben une fois qu'on a défini le background. Donc on va dire ambient light et on va lui passer donc alors je sais est-ce que c'était cette fonction? Non, il n'a pas l'air de la retrouver. Ah, je vais aller revoir la référence. Je me souviens plus des fonctions. Référence. Et on va aller voilà, lights camera. On va aller là-dessus. Ah oui, c'est ambient, mais avec un voilà, pas ambient light. Et on va lui passer donc ce qu'on avait vu la semaine dernière, une couleur pas trop intense, sinon tout va sursaturer. Donc on était sur du je sais plus 80, 80, 80. Le fait de lancer ça, voilà, confère à nos objets une apparence grise. Donc là, c'est vraiment comme s'ils étaient éclairés par cette lumière grise. Donc on va les placer en no stroke aussi, puisqu'ils vont être éclairés, no stroke. Donc plus de contours. Et on va. Alors je ne me souviens plus. On va, voilà, specular color.
Donc, Specular Color, Specular Light. Voilà. Donc, on va faire ça. Specular Color. Donc, ça va définir la couleur de nos objets, grosso modo. On va ici. Je pense que c'est ça. Specular Color. When using Specular Material. Non, c'est pardon, c'est Specular Material qu'il faut utiliser. Specular Material, c'est vraiment ce qui va correspondre à la couleur de notre cube. Donc, on va dire blanc. Voilà. Ensuite, on va placer donc une Ambient Light, c'est bon, on l'a fait. On va placer la couleur spéculaire, donc qui va être la couleur donc, de la lumière, on va dire, dirigée. Bon, on va la placer, tiens, on va essayer en rouge. On va voir ce que ça donne déjà. Grand-chose. Ah oui, mais peut-être parce que oui, il me faut une lumière, voilà, il me faut une lumière point light. Donc on va aller voir cette fonction, pardon, point light, utilisée la semaine dernière. Point light. Et voilà, bon, on va peut-être reprendre. Tiens, on va peut-être reprendre ça. Point light, je vais reprendre ce code-là. Je vous file la référence. Décoller le code. On va éclairer avec une lumière dont la position en X et Y va dépendre de la souris. Donc on va se placer peut-être ici. Voilà. Ici, et on va faire donc je copie-colle ce point light. Voilà, donc là, point light, ça va être la couleur et la position dans l'espace. Donc on va peut-être jouer sur la position dans l'espace. Hein. Donc, OK, 250. Donc, ça, c'est les composantes couleur de notre lumière. Donc, elle va être plutôt vers le blanc. Donc, la position en X et en Y, ici. Et ensuite, ça, c'est la distance. Donc, là, la distance, peut-être qu'on va la placer, nous. Bon, on va déjà essayer ça. Est-ce que ça donne? Donc, là, vous voyez que vos cubes, en fait. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Alors, pourquoi? Ben, les cubes sont rouges. Donc, vous voyez, on leur a donné une couleur de matériau qui était rouge, qui réagit donc à la lumière blanche. Et avec ici donc une couleur d'éclairage qui est rouge. Donc, je vais essayer, tiens, Specular Light 255. Voilà, on a des cubes comme ça qui sont éclairés. Donc là, la lumière, il faut l'imaginer comme elle étant un petit peu, je pense, à l'intérieur, hein, parce qu'on est en 50 ici, en Z, et notre cube, en réalité, bah, il a une dimension, je ne sais plus, je crois, de 250 ou de 300. Donc ce qui veut dire que bah, on va de moins 300 divisé par 2 à 300 divisé par 2, donc à 150. Donc si on veut l'éclairer depuis devant, on va lui donner 300. Allez. Éclairer de. Voilà. Donc, vous voyez, là, on voit le halo de lumière en fait qui éclaire l'ensemble des cubes. Donc si je reste au centre, vous voyez le halo là qui éclaire vraiment le de face. Donc ça fonctionne. Donc un petit peu comme la semaine dernière, ici on a cet éclairage. Alors je pensais que la fonction noise allait donner des résultats un peu plus intéressants, mais j'ai l'impression que les variations en fait vont pas de 0 jusqu'à 1. Donc ça c'est pas génial. On s'attendait à ce que ben voilà ce que et d'ailleurs alors qu'est-ce qui se passe si on alors j'essaie juste hein, mais qu'est-ce qui se passe si on laisse juste W ici. Ah, voilà, là on voit bien le spot lumineux là, sur le cube. Voilà. Donc là c'était.
Donc là, vous avez vu le spot, là, j'ai enlevé la fonction noise, donc ce qui fait que chaque cube, en fait, se dessinait à sa dimension, formant un grand cube. Et on voyait bien le point light, là. Donc là, bah, pareil, spécular matériel, on peut essayer spécular color. Alors si je mets du rouge, voyons ce que ça va donner. Ouais, ça donne un peu du rouge. Essayer de modifier. Alors, je vais peut-être, tiens, enregistrer. Donc, lag 6, U6. Voilà, peut-être, tiens, méta cube. Regardez ça. Passe le sketch si vous voulez. Et voilà, bon, c'est ce que je voulais essayer. Je pensais que ça allait être un peu plus visuel, quoi, le fait de comme ça de propager ou d'utiliser une fonction noise sur l'ensemble des cubes. Et or, je trouve que l'amplitude, alors est-ce que c'est dû à peut-être modifier la vitesse de frame count? On va aller plus vite, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, là, on dirait que ça tremblote, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, mais je pensais que ça allait être beaucoup mieux que ça. Alors, on pourrait utiliser la fonction map de manière empirique. Donc, je vais quand même aller voir la fonction noise. Parce que je suis étonné qu'elle n'aille pas de 0 jusqu'à 1. Ah, oui, between 0 et 1. Ouais. Step of 0,0503. Ok, oui, pourtant ils disent que ça donne une valeur entre 0 et 1, mais là, clairement, on n'atteint jamais la valeur 0, parce que sinon on aurait des cubes. Des cubes qui apparaissent pas, et 1 ben non plus, parce que on n'a pas des cubes qui sont à leur dimension nominale, quoi, à W. Alors comment on pourrait faire? Je sais pas, il faudrait utiliser la fonction map, je pense, pour voilà, de manière un petit peu empirique, pour dire, ben voilà, remap ma valeur de noise qui varie, ben, pas entre 0, mais entre 0, point, j'en sais rien, point 2 ou point 3, et remap là entre 0 et 1, quoi. Donc on pourrait peut-être essayer ça. On pourrait peut-être essayer ça. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je vais essayer, tiens, d'augmenter la taille. Le nombre de cubes, ouais, ça commence à ramer. Ici, voilà, je diminue ça. Ouais, ça fonctionne. Ça marche, mais du coup, l'oscillation est beaucoup trop rapide. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Je pensais que ça allait être. Donc, pareil, on pourrait rajouter je pense, des point light, comme on avait fait la semaine dernière. Donc, avoir plusieurs point light différents qui viennent éclairer pour donner un peu, peut-être un peu de volume. Et on pourrait faire aussi ouais, changer peut-être l'interaction. Donc, avoir peut-être une rotation qui s'effectue à la souris, je ne sais pas. Voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer ça ce matin. Bon, j'ai l'impression d'avoir été encore un peu trop rapide, trop vite. Bon, voilà, hein, donc vous avez vu sur la construction comment on fait. Hein, on fait d'abord une rangée de cubes. Cette rangée, bon, on la duplique avec une autre boucle for, ce qui nous donne une tranche. Cette tranche de cube, ben, en fait, on la reduplique avec une autre boucle for pour obtenir cette espèce de cube fait de petits cubes, finalement.
Voilà, donc j'avais prévu de vous montrer ça. Alors, est-ce que vous avez eu le temps un petit peu de réfléchir à votre projet de typo générative? Est-ce que vous voulez qu'on revoie des choses par rapport à ça? Donc là, j'avais prévu de vous laisser travailler un petit peu là-dessus et puis peut-être, ou en tout cas de commencer peut-être le projet. Et puis, si vous avez des idées à me soumettre ou des choses, ben voilà, je suis tout ouïe. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez. Donc moi, là, je vais me documenter. Alors, excusez-moi, je vais juste ouvrir au chat là, qui miaule. Je vais regarder pour peut-être enchaîner les scripts processing. Donc avoir voilà, ce que je vous ai indiqué en début de cours, une sorte de peut-être de slideshow de sketch. Voilà, pour faire défiler ça en ligne et de manière à l'avoir en plein écran. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je reste devant l'ordi. Et puis, puis voilà. OK? Ok, ça marche, merci. Donc, je reste là. Merci. Je vous laisse bosser pour une fois. Et voilà. Donc, je vais ouvrir. J'arrive. Merci. Ah, voilà. Alors, je vais peut-être couper l'enregistrement, tiens.